au regard de tout ce qu'il possède, nous, propres, nous pouvons lister Magie Taekwondo de Maître Alphonse Nemelin, ceinture 4e dan, formateur évaluateur national. Le club LKM Taekwondo de Maître Guy Vincent, ceinture 5e dan. Le club La Prairie de Maître Kwaku Rudolph, ceinture 4e dan, initialement plaignant. Déclarons officiellement notre retrait de toute action de belligérance contre le président Bachek Daniel et son comité directeur et dénonçons toute attaque et propos discréditant la Fédération ivoirienne de Taekwondo. 2. Nous demandons à tous les Taekwondoïens impliqués dans cette crise d'une façon ou d'une autre de tenir compte des valeurs prônées par le Taekwondo, en l'occurrence la tolérance, le pardon, l'esprit d'amour pour la paix, le respect de l'autorité et le sens profond des responsabilités, afin de ne pas altérer les résultats plus que satisfaisants obtenus par notre équipe nationale de taekwondo lors des rendez-vous internationaux sous la houlette du président Bachek Daniel. Nous prévoyons organiser dans les prochains jours à Yopougon une cérémonie de fin de crise en présence des membres du comité directeur de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Nous décidons de nous mettre à la disposition du président Bachek Daniel et de son comité directeur afin de soutenir toutes les actions de promotion du taekwondo en Côte d'Ivoire. Car s'il y a un temps pour faire la guerre, il y a également un autre temps pour faire la paix. Il ne faut pas que les problèmes personnels transforment les revendications sportives en un combat féroce entre membres d'une même famille, dans lequel le seul et grand perdant reste le taekwondo en Côte d'Ivoire. Pensons à l'héritage à laisser aux générations futures que vive le taekwondo en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.